Salut, c'est le leader Sej. Je vous fais cette petite vidéo afin de vous booster. Sairu est le TGV pour atteindre le sommet. Je suis fier d'être parmi les futurs millionnaires en dollars grâce à Sairu. Et si vous voudrez être membre à Sairu, vous aurez un lien en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations. Merci et rendez-vous au sommet. Que tu resteras avec la pensée de qu'est-ce que les gens vont dire, tu ne pourras jamais, mais encore jamais, atteindre tes objectifs ni entrer pleinement dans ta destinée. Tu ne vis pas pour les gens. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner une personne. Quand il s'agit de la destinée, il faut être égoïste. Que les gens parlent ou que les gens ne parlent pas, poursuis tes rêves. Tu as une vision à accomplir. Go for it. Chers investisseurs, bonjour à tout le monde. Et nous sommes cette plateforme pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir aller au-delà de ce que les gens ne pensent pas, pour pouvoir dépasser nos limites. Et nous devons voir au-delà. Nous devons avoir le courage de frapper chaque matin pour atteindre nos objectifs. Parce que le monde est rempli de personnes négatives. Mais nous devons nous amener d'une certaine mentalité. Nous devons atteindre cette mentalité de 3% pour pouvoir être libre, pour pouvoir atteindre le sommet. Et moi, c'est le gars Simon Loss. J'aimerais très bientôt vous revoir au sommet. Merci. Rendez-vous au sommet, la vie est belle. On ne baisse pas les bras, quelles que soient les difficultés. On est fait pour avancer. Les difficultés viennent certainement nous dire, ben c'est là que tu dois passer. Tu dois affronter cette montagne. Tu dois passer par là pour avancer. C'est ça la vie. La vie est belle. La vie est souple. La vie est agréable. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Merci. Bonjour. Elle soupe pas la vie elle à Sairu. Elle soupe pas la vie, les leaders. Comment on va? C'est leader Simon. Leader persévérant. Ok, les choses sont en train de se mettre en place pour nous. Et pour toute l'équipe. Et pour toute la famille Sairu. Aujourd'hui, nous avons un très très bon investisseur du côté de Ouaga qui est prêt vraiment à mettre du gros. Ouh là là, on et aujourd'hui, il y a le leader persévérant qui est en train de se préparer déjà, qui sera à Ouaga. Il va prendre tout à l'heure son vol rapidement pour aller croiser ce grand homme d'affaires, pour signer les partenariats à Sairu avec lui, de sorte que l'activité soit boostée plus encore au niveau de Ouaga. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ne dormez pas. Levez-vous et prenez ce business au sérieux. Sairu change la vie. Mais tout le monde en a besoin de cette seconde chance. Le monde a changé de camp. Et il faut s'y mettre maintenant. Passons à l'action. Ne soyez pas des personnes qui partent le lendemain. Merci. Et rendez-vous au sommet. La vie est soupe à la vie. Une opportunité, on te demande simplement investir une fois, gagne l'argent et la santé. Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu mets du temps? Réveille-toi, car l'heure n'est plus là pour les doutes. Les doutes sont tombés aujourd'hui. Nous voulons atteindre le sommet, c'est ce qui est important. On y va et bravo à vous qui avez pris le train en marche. Rendez-vous au sommet. Ne sois pas, ne reste pas spectateur. Rejoins-nous, sois acteur, rejoins-nous parce que là, c'est le train actuellement. Quel type de train? La locomotive. Après, ce sera TGV d'ici décembre. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent et je ne te dis pas. Mais après 2019, quand on va rentrer dans 2020, tu ne pourras plus. Tu seras seulement acheteur. Tu ne seras plus actionnaire. Rejoins-nous. Bonjour chers investisseurs, je suis très content de savoir que vous êtes là et nous sommes ici à Accra aujourd'hui qui vit plus. Je vous dis que nous aussi, on a affronté notre peur. Aujourd'hui, on investit. L'investissement, c'est avoir la foi. Et avoir la foi, on ne croit pas avant de voir. On agit et les actes suivent. Aujourd'hui, nous sommes à Accra, on a vu les preuves palpables.
de l'existence de CME physique. Sept personnes, je dis bien sept personnes, ont changé la vie des jeunes à Accra. Sept personnes. Moi, je suis une plus ici. Parce que CME m'a changé ma vie aussi. Avant, j'ai gagné de l'argent, mais il fallait que je travaille dur pour avoir de l'argent. Mais grâce à CME, même dans mon sommeil, pendant que je dors, ça génère de l'argent. C'est un business comme ça, il y avait besoin. Un business me donne de l'argent, le temps et je peux voyager. La liberté en gros, la liberté financière. Et nous invitons à voir comme ça. Travailler dur, ça rend pas riche. Ça fatigue les cellules. Mais travailler intelligemment. Travailler intelligemment. C'est ce qui enrichit. Merci. Merci. Oh, la vie est belle, hein? Elle souffre par la vie. Est-ce que vous savez que voyager, mais c'est bon, mais ça rend juste les cellules, mon frère. Qui me sort. Ouh. Merci. Bon, chers amis, comme je vous l'ai dit, je suis venu au siège Afrique de Sahuri. Donc, je suis à l'entrée là. Sahuri est à Osu, au Ghana. Et vous arrivez au Circle, Downtown Circle. Vous faites tout droit pour entrer dans Osu. Vous arrivez à la station Total. Quand vous arrivez à la station, je crois que vous allez faire deux rues à votre droite pour rentrer dedans. Vous allez voir le bâtiment de Sahuri, c'est non loin de la zone portuaire. Donc vous entendez le bruit de l'avion là. Je suis à l'entrée, je vais rentrer maintenant. Vous allez voir comment est-ce que ça se présente. Voilà donc, voilà un peu comment ça se présente. Voilà un peu comment ça se présente. Je suis en train de rentrer dans les locaux. Dès que vous arrivez ici, nous sommes en présence. Voilà les leaders de la Côte d'Ivoire qui sont là. Et là, voilà, c'est notre grand-papa. C'est notre grand-papa. Sachez que cette opportunité vient vraiment pour donner le sourire à chaque Africain et nous devons s'y mettre. C'est ça. S'y mettre pour pouvoir vraiment changer notre situation de vie. C'est ça. Aujourd'hui, à Sahuri, on a cette possibilité de gagner de l'argent en dormant. Mm-hmm. Et en plus de ça, avoir une bonne santé. Mm-hmm. Vous savez, en Afrique, se soigner n'est pas chose facile. Donc, s'il y a une opportunité où vous pouvez vous soigner en gagnant de l'argent, je pense qu'il faut saisir et passer. Au sommet! Rendez-vous au sommet. Elle soupa. Elle soupa la vie. Merci grand leader, merci notre grand-papa qui vient faire une intervention. Le Dogengue, leader Nas, qui est basé en Côte d'Ivoire. Merci. Téléphone là. Rendez-vous au sommet. C'est du lourd, c'est du lourd. Je suis malade. Moi, je vous conseille là. Aujourd'hui, j'ai rencontré le DG là. Je suis malade. C'est du lourd, c'est du costaud. C'est 1 milliard, on va compter jusqu'à l'année prochaine ici. Voilà. 1 milliard. Donc vous avez la preuve, vous voyez, c'est un leader qui nous a conduit, qui nous a beaucoup aidé dans cette activité, nous a beaucoup coaché. Et nous avons eu l'opportunité de le rencontrer aujourd'hui. Et voilà, vous l'entendez, il parle. Et celui-là, l'année prochaine, il a fait des activités plein. Et aujourd'hui, il croit encore à cette activité. Il s'est déplacé depuis la Côte d'Ivoire avec sa voiture, il est venu pour s'asseoir ici pour comprendre. Et vous qui êtes là, il faut qu'on agisse. Merci. Pas encore fait ça aujourd'hui, on commence à vous. Donc, vous voyez, la dame, elle est venue de. La leader félicité, elle est venue de Burkina Faso à cause de ce business. Donc, toi qui es au Bénin, pourquoi tu hésites encore? En tout cas. Maman qui s'est déplacée depuis le Burkina Faso pour venir voir, elle est avec son grand-papa, le leader Simon Loz, notre coach principal. Et là, elle profite en live pour prendre encore les conseils. C'est lui, c'est sa photo, c'est son audio que je vous envoie souvent. Tout le temps. Voilà. Merci. Ouais, le staff, tout le monde est là. Vous voyez, il y a des possibilités que vous arrivez. Tout le staff est là. Tout le monde, les gens sont tellement disponibles. Les gens, ils sont ouverts et ils sont prêts à vous donner toutes les explications nécessaires. Et vous voyez, tout ce que vous voyez là, ce sont la projection sur la société. Ce sont la vision, c'est la vision établie pour la société. Vous voyez, il y a le service management qui est là. Donc, c'est du réel, en fait. Ça, c'est leur grand bureau. J'ai eu la chance d'être dans leur grand bureau, vous voyez, et il y a le bureau du PDG, j'ai fait des photos là-bas, vous avez vu, donc c'est du sérieux, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu, et je vous en prie, prenez cette affaire au sérieux, parce que après cette vidéo, je vais après
je vais après faire des audios, faire le point sur la situation. Donc, vous voyez, ici, il y a un coin qui est dédié aux clients quand ils viennent. Vous pouvez faire vos présentations sur place là, recevoir vos prospects et discuter. Et ça, c'est une grande salle de présentation. Quand vous arrivez, il y a tout le dispositif qui est là, qui vous permet de faire des présentations. Et là, vous voyez, c'est tellement organisé, c'est tellement structuré. Et vous pouvez voir, ce n'est pas du jeu. On n'est pas en train de faire quelque chose de semblable. On n'est pas en train de faire... Je manque les mots. C'est du live. Je suis en train de vous montrer quelque chose qui est vraiment réel. Qui est vraiment réel. Et ça, c'est juste un avant-goût. Hein. Sairi, si on peut dire que il a été mis en œuvre, le projet de Sairi a été mis en œuvre actuellement, ce n'est qu'à peine 60%. Donc, il y a encore beaucoup d'autres informations qui vont arriver après. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis là, je suis dans les locaux et je crois que nous irons tous au sommet. Merci beaucoup, leader Ghislain, depuis le siège Afrique de Sairi. Il est l'heure, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'avoir fait un joli coucou. Le début d'une chose compte, mais la fin en est meilleure. Et là, c'est avec un cœur rempli de... On est en même temps content, mais on doit partir. On doit retrouver les gens à Abidjan. On doit retrouver les gens au Burkina. On doit retrouver les gens au Niger. On doit retrouver les gens partout. On doit retrouver les gens au Togo. On doit retrouver les gens au Bénin. Et là, c'est sérieux, on complète hein, la masse. C'est les leaders qui sont quittés. Ils ont abandonné leur travail. Oui. Ah oui. Exactement. Oui, maman. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. I have so many reasons to push you away, but I'm magnetic to the madness. So just move on, baby. Guess I'm stuck in yesterday. I never wanted to have this. It's kind of dilemma running through my head, keeps on coming back at 3 a.m.